Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. Ça c'est une vidéo vlog. Je suis en train de réaliser la robe pour ma petite cousine et je vais en profiter pour faire le tutoriel. Donc j'ai les vacances ici à la maison et j'ai pensé, voilà, filmer un peu les backstage. Comme ça vous voyez un peu comment ça se passe souvent. J'espère que j'aurai assez de mémoire dans le téléphone. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Moi, je m'appelle Irène, mais tu peux appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu es déjà abonné, merci pour ton abonnement. Donc aujourd'hui, je vais faire une robe à volant. Et j'ai déjà eu à publier une des photos sur Instagram et beaucoup de personnes ont aimé. En effet, c'est le même style de robe que j'avais fait pour mon anniversaire. Sauf qu'avec cette robe, je vais faire un modèle simple et je laisse à chacune le choix de transformer le haut de la robe comme elle veut. Ici, je veux porter beaucoup plus l'attention au niveau des fronces, la technique que j'ai utilisée pour avoir les fronces et quelques conseils. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus filmer la partie couture. La partie patron, je l'ai filmée, mais il y a des choses qui manquent. Je pense que je vais la refilmer. Mais ça, c'est la partie couture que je vais filmer. Comme elle est là, je vais profiter, filmer et voilà, on va porter nos créations. On va faire des belles photos et des vidéos. Donc, j'espère que je vais finir à temps. Voilà, donc je vais vous montrer à peu près comment est-ce que je procède. C'est elle qui va arrêter au téléphone, elle va filmer bien sûr. Ok. Que je filme les vidéos, c'est toujours le désordre. Il n'y a pas moyen d'être ordonné, donc du coup on va ranger après. Et comme mon tissu il est coloré je vais mettre quelque chose de blanc. Normalement je faisais souvent ça, drague caméra, je faisais souvent ça sur la table là, mais vous me voyez, la table là elle est très chargée. Je travaille actuellement sur un projet, mais la dame, le tissu est fini, j'attends qu'elle me rapporte le tissu pour terminer. Il y a la machine à coudre, du coup, ça c'est deux tables que j'ai joint comme ça là. Donc j'ai pris ce tissu blanc pour que ça soit bien ressorti. Ici maintenant c'est plus facile pour moi parce que j'ai déjà une caméra. Donc du coup je peux filmer les vidéos. Je l'ai depuis, ça fait quand même peut-être pratiquement deux mois, mais je sais pas encore comment l'utiliser avec toutes les options. Je connais juste les bases. Donc elle est déjà placée, j'ai déjà vérifié mon plan, je vérifie souvent mon plan si tout est bien, mais lorsque je vais filmer je vais regarder de temps en temps. Bon, là j'ai déjà tracé le patron de Gaëlle. Elle s'appelle Gaëlle. Bonjour. Je pense que celle qui la connaît, peut-être je vais laisser cette capture d'écran. On a déjà eu à faire des vidéos ensemble et les gens pensaient que c'était ma fille. Bon, pour moi, c'est ma fille. Hein? Mais sinon, c'est ma petite cousine. Donc, j'ai à tracer son patron. Je vais juste couper. Je ne sais pas si je dois filmer comment couper parce que j'ai à montrer comment couper le patron. Peut-être juste pour les volants, je ne sais pas. Bon, donc du coup, on va voir ce que je vais faire. J'ai un problème, mon fer à repasser ne donne plus. Rien ne fonctionne. C'est depuis hier que ça commençait à faire des chichis, mais là, c'est froid. Et vous, vous savez qu'avec la couture, on doit toujours repasser. Je suis allée chercher un autre fer à repasser. Lorsque je faisais les poupées, c'est ça que j'utilisais. C'est ma tata qui m'avait offert cela. Je vais essayer si ça chauffe encore parce que ça fait longtemps que j'utilise plus ça. Ça chauffe quand même, donc. C'est pas rapide, mais ça chauffe quand même. C'est mieux que rien. Donc là, le tissu était froissé. Il faut toujours repasser avant de... Voilà. J'ai à terminer de couper mes tissus. Comme je travaille avec les mains, il y a ces derniers temps, j'ai des allergies, comme il fait là, tu dis. Au niveau de mes mains, là, ça commence déjà à aller. Donc, il faut toujours que je les hydrate à tout moment.
mais là ça finit déjà. Donc parfois je mets la vaseline, mais le lait plus dedans. Là je mets juste une crème hydratante. Donc ça prend le temps. Depuis là j'étais en train de préparer tous mes éléments et tout et tout. C'est maintenant que je vais commencer à filmer. J'ai à passer pratiquement une heure entre le fer qui m'a lâché en chemin. Et je dois toujours contrôler que je suis dans le plan. Donc je filme, je regarde si je suis dans le plan. Si on n'arrive pas à voir tout, donc tant de choses. Gaëlle, tu as aimé le modèle de ma robe? Oui. Et tu veux aussi la même chose? Oui. Et on va jouer le rôle de mère et fille. Tu vois comment est-ce que je suis en train de filmer? Est-ce que c'est facile? Non. C'est trop de travail ou pas? Oui. Tu trouves que c'est trop de travail? Elle faisait le travail, moi je pouvais déjà dire qu'elle faisait ça pour te. Ok. Je vais pas montrer comment est-ce que je couds le vêtement. Je vais pas montrer la partie de la machine à coudre, sinon ça va me perdre le temps. Donc, parfois je montre, parfois je ne montre pas. Si, Maïva. Donc, cette partie, je fais ça hors caméra. Yeah? Ok. Allô? Non, Irène. Hé, tantine. Dis-la. L'arrête. Donc là, j'ai fait les fronces pour le devant de la jupe ou alors le dos. Les deux, comme ça. Et ici, je suis en train de froncer en fait. Et en vidéo, je vais d'abord montrer ceci, montrer comment est-ce que j'ai fait les fronces. Et après, je vais prendre ceci, montrer en image que voici les fronces. Et puis, je vais montrer comment monter, que fait endroit contre endroit. Et dans les backstage, je vais continuer. Donc, c'est un peu ça. Désolé le bazar, j'ai une assistante, pas possible ici. Elle aussi, elle est occupée avec ces choses. Je me suis rendu compte, lorsque j'ai regardé les images, ça bougeait beaucoup. Donc, je vais continuer seule. J'ai mon trépied là qui est en train de m'aider. Donc là, cette partie, je suis en train de la filmer. Et je contrôle en même temps. Je montre ici comment est-ce que j'ai fait les fronces. Et après, je vais monter comment je fais endroit contre endroit. Mais à chaque étape, il faudrait que je vérifie si je suis dans le plan. Parfois, tu enregistres comme ça. Et lorsque tu as terminé, tu te rends compte que voilà, on ne voyait rien. Et c'est souvent dommage, tu es obligé de recommencer. Donc, je vérifie à chaque moment. Je place comme ça, je regarde, je revérifie au niveau de la caméra. Est-ce que c'est dans le plan? Si ce ne l'est pas, je bouge les éléments et tout jusqu'à avoir vraiment tout à l'intérieur. Et là maintenant je passe à l'action. Actuellement Lydia, je pense presque 16 heures. Yeah. Non. Actuellement il est déjà presque 16 heures. Et regardez à quel niveau je suis. On vous dit que faire des vidéos, franchement, c'est pas facile. C'est pas du tout facile.
faire des belles vidéos encore, c'est pas du tout facile. Donc, parfois, les gens ne voient pas ce qui se passe derrière et on se dit que voilà, c'est facile. Non. Voilà, je suis encore là. Et donc, c'est un peu ça. Ça là, j'ai montré une partie en vidéo. J'ai montré une partie où je vais expliquer que voilà, il faut faire endroit contre endroit, épingler, puis aller coudre. Et puis j'éteins ma caméra et puis je le fais hors caméra. Je le fais comme ça hors caméra. Je vais aller coudre et je vais froncer ça également. Je vais coudre, je vais agencer hors caméra pour gagner en temps. Et lorsque je vais revenir, je montre seulement lorsque c'est déjà tout assemblé. Et puis je dois encore assembler mon haut, faire les finitions au niveau des emmanchures et tout. C'est pour ça que parfois, généralement, je choisis un modèle simple juste pour montrer la technique. Ici, la technique que je voulais montrer, c'est surtout les fronces. Les techniques des fronces et tout. Et là, je montre juste l'assemblage parce que le patron, pour celles qui sont futées, le patron largement suffit. Ici, je montre juste, voilà, l'assemblage pour aider peut-être d'autres futures couturières qui ne sauront pas comment est-ce que... Parce que quelqu'un va trouver une idée qu'on assemble comment. Donc c'est un peu ça. Alors quelqu'un m'a dit voilà. Mais ça hand faut que je vacances gaat, neem ik gewoon deze mee. Ja. Dat hand ik. Ja. En zoals probleem is dan zie je dat ik hand. Ah, ze blijft ook thuis. Nee, maar zij moet nog. Donc là, j'ai fini les fronces pour les deux côtés. Je dois maintenant faire les finitions au niveau des emmanchures et de l'encolure au biais pour le devant et le dos que je vais assembler. Et puis maintenant, je pourrai assembler le tout. Mais là, il est 17h, je dois aller cuisiner. Sinon, j'aurai des problèmes. Voilà, donc je dois d'abord mettre pause. Je vais cuisiner et peut-être d'ici 3 heures plus tard, je vais revenir sur la création pour tourner la vidéo. Voilà, à plus tard. Voilà, je vais cuisiner les wraps. On appelle ça ici les wraps. Wraps. Donc voici ça, les tortillas là, avec le filet de poulet et avec un peu de salade. Ici je vais mettre ces épices de poulet que j'achète chez le magasin Hardy. Donc je vais juste saupoudrer comme ça, je vais mélanger le tout avec les oignons et l'huile d'olive et je vais griller ça. Je vais frire, bref griller, quelque chose comme ça. Vous avez fait la face rave? Wij of jullie? Ja, wij. In Nederland? Ja, in Nederland wel, maar... Zie, jullie kunnen gemakkelijk naar Nederland. Jullie kunnen gemakkelijk naar Nederland. Ja, en jullie niet. Maar nee. Après, je vais mixer le tout. Et je vais, voilà, passer à la friture. Juste un peu d'huile, de temps que ça grille et que ça devienne brun. Et on va manger avec les tortillas. Donc voici ça et la personne qui veut rajoute une sauce, la sauce d'ail, bien la sauce mayonnaise, bref, chacun fait ce qu'il veut. Donc moi j'essaie ce mais puis chacun rajoute les ingrédients qu'il aime. Donc voilà mon assistante qui a essayé sa robe, j'ai pas encore terminé. Tourne-toi. Donc voilà ça, elle est déjà très contente. Je dois encore faire l'ourlet
Donc, comme je disais, je suis en train de, voilà, de filmer en même temps. Il est déjà tard, on est toujours là au travail. Donc, je m'avais terminé ça et voilà. Et c'est bon. Après, on va chercher un jour pour faire les photos et l'intro. Dis au revoir. Au revoir. Yo-yo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vais terminer la robe de Gaëlle et on va choisir un jour, on va faire l'intro, on va faire des photos, on va danser. Donc, n'hésitez pas à réaliser vos robes. Le lien de la vidéo du tutoriel est sur la chaîne. Je voulais seulement vous montrer comment tout se passe. Il est déjà 22, il est même quelle heure là maintenant? Il est à peu près presque 22h30, la voix est même déjà partie. Regardez la tête comme une folle, donc n'hésitez pas. J'avais d'abord fait la vidéo avec ce prototype. Mes images étaient, ça laissait à désirer. Donc j'étais obligée de refaire. Donc c'est comme ça. Parfois il m'arrive de faire une vidéo trois fois. Et n'oubliez pas de faire pour vos petites filles, vos bébés, vos enfants, pour vous-même également. Voilà, mienne ici là. Donc j'attends vos créations. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. D'ici là, restez en santé, restez créatifs. Et surtout que Dieu vous bénisse. Moi je vous embrasse très très fort. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye. Tout de toi. Ouh, lecker, hein? Lecker. La danse de la joie. Hey.